La respiration, ça va être vraiment la clé de votre discours. Surtout, prenez du plaisir. Vous allez monter, on est tous là pour vous et on est déjà prêt à vous écouter. Je vous ai vu une par une et je sais de quoi vous êtes capable. Pendant ces 4 mois, vous vous êtes formé à 3 métiers. Vous avez été formé au métier de chef traiteur, au métier d'entrepreneur, puisque vous vous lancez en tant qu'indépendante. Et puis, il y a un troisième métier qui nous tient particulièrement à cœur, c'est être maman. Maman, vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. C'est la notion de marge. Ce matin pour discuter après ces 3 mois de formation intense de la Mama Academy. Dégustation amarja, brochette de poulet mariné à la crème parfumée aux graines de fenugrec. Avant de monter sur scène. Là, comme tout le monde, j'ai un peu de stress, mais ça va. Enfin, j'ai trouvé une équipe, une famille, une communauté. Très colorée, en plus c'est bien présenté. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie cuisine africaine ? Il est temps de parler de diplôme. Après un suspense insoutenable, on a considéré que vous aviez tout ce qu'il fallait pour rejoindre la plateforme Traiteur de Meet My Mama et continuer l'aventure avec nous. Un immense bravo pour ça. Bienvenue à toutes les nouvelles mamas parce que vous avez pris vraiment du haut niveau. Votre vie va changer. Vous allez vraiment réaliser votre rêve. Nous, comme mamas, tous, on est là pour vous aider. Ne vous éloignez jamais les unes des autres, au contraire. L'évolution de ces mamas, elle est évidente. Elles n'assumaient pas du tout le talent qu'elles ont dans les mains. Aujourd'hui, elles l'assument. Elles étaient déjà brillantes en arrivant. Et c'est pour ça qu'on a voulu travailler avec elles, qu'on a voulu les accompagner dans leur formation. À partir du moment où elle se donne cette opportunité-là, cette chance de se faire confiance, il y a des choses incroyables qui arrivent. Elles sont allées au-delà de leurs limites, elles se sont dépassées et le résultat, il est vraiment top. Faut jamais penser que c'est impossible. Jamais. Rien n'est impossible dans la vie.